Panique au village des crottes de nez, de Meurzik et Morisseau, des éditions Les Fourmis Rouges. Il était une fois un pays, le pays des crottes de nez. Dans ce pays vivaient Monsieur et Madame Leloup. Laisse-moi te les présenter. Henri, le papa. Josiane, la maman. Josiane et Henri ont des enfants. Trois adorables crottes de nez. Mimosa, Tina, Bernard. Toute la famille habitait dans une maison, une très jolie maison-née, située dans un très joli village au milieu d'autres maisons-nées. Tout allait super bien. Jusqu'au jour où les habitants découvrirent Papy Boulette en larmes devant sa maison complètement saccagée. Tiens-toi bien, voici ce qu'il raconta. La nuit dernière, un doigt géant a surgi sans prévenir et s'est mis à fouiller partout, du sol au plafond. Il a enlevé toute ma famille, mon fils, sa femme, mes petits-enfants. Papy reniflait sans pouvoir se calmer. Très vite, la panique envahit le village. Qui était ce doigt? D'où venait-il? Qu'allait-il faire de la famille Boulette? Et surtout, allait-il revenir? Les habitants se barricadèrent et organisèrent des rondes de nuit. La famille Loulou avait peur, ce qui est bien normal, tu ne trouves pas? Si peur qu'elle décida de partir très 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 loin. Loin du doigt, dans une nouvelle maison, où ils ne pourraient jamais les trouver. Ils roulèrent 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter. Ils arrivèrent dans une superbe région montagneuse. Là, ils firent connaissance avec une grosse mouche bien habillée qui vendait des maisons, un agent immobilier. La mouche leur dit « Suivez-moi les loulous, j'ai un tas de chouettes baraques à vous faire visiter. » Ils commencèrent par visiter une maison bouche, puis une maison pomme, une maison brouillard, une maison fesse, une maison moustache, une maison oreille, une maison bûche, une maison œil, une maison ananas, une maison slip, une maison chapeau, une maison coquillage, une maison pied, une maison tuba, et une maison banane. Hélas, aucune de ces maisons ne leur convenait. La mouche se gratta la tête, puis déclara « J'ai une dernière maison à vous faire visiter. Vous verrez, elle est un peu spéciale. D'ailleurs, personne n'en veut. » Ils roulèrent encore, mais pas trop longtemps, ne t'inquiète pas. Ils arrivèrent alors dans une prairie. Là, leurs yeux s'illuminèrent. Au milieu des herbes folles, des coquelicots et des pissenlits, se dressait une maison magnifique, toute marron avec des petites fenêtres. Une maison crotte. C'était exactement ce qu'il leur fallait. Sûr que le doigt ne viendrait jamais mettre les pieds ici. Ils étaient super heureux. Et plus heureux encore lorsque la mouche déclara « Savez-vous que j'ai d'autres maisons crottes à vendre? Un village entier ?» « Fantastique !» s'écria Josiane Loulou. « Appelons immédiatement tous nos amis du village né. » La suite, tu la devines? Toutes les crottes de nez quittèrent le village né pour rejoindre le village crotte. Elles y vécurent heureuses et n'entendirent plus jamais parler du doigt. Ainsi, tout est bien qui finit bien. Envie d'une autre histoire? Suivez-moi sur ma chaîne. Soutenez-moi avec un j'aime.